Good morgen, allez, Iden, et ce sera aujourd'hui le Lunishmat François Fagy, Ben Chana, Janine Ruth, Bat Fortuna, Zafna, Claude Chombo, Ben Shalom et Ishaya, Ben Linda. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Pea, Perek Dalet, Mishnah Zain. Igdish Kama, Upada Kama, Chayav. Omarin, Upada Omarin, Chayav. Kama, Upada Omarin, Ptura, Shibishat Chobata, Aita Ptura. En rapport avec la Mishnah précédente, on avait évoquer la situation d'un goy qui cueille son blé et qu'après il se convertit. Et que dans ce cas-là, puisqu'il a déjà cueilli son blé, alors qu'il était dispensé de la mitzvah, lorsqu'après il va se convertir, il a raté l'instant où on devient imposable de la mitzvah. D'accord? Du coup, ça va être maintenant le sujet de notre Mishnah et de la prochaine Mishnah, et c'est un sujet qui revient de temps en temps, dans Seder Zraim, et même plus encore, où la généralité, elle est simple. Il y a un instant précis où la Torah, elle t'impose de faire une mitzvah quelconque. Si, lorsque cet instant arrive, tu as une dispense quelconque, comme on verra des raisons, en l'occurrence, c'était devenu kadosh, la précédente présidente, il était goy. Si, au moment où tu deviens imposer la mitzvah, à ce moment-là, pour le moment, tu n'es pas imposable pour une quelconque raison, et bien ensuite, même lorsque la raison va disparaître, tu resteras dispensé de la mitzvah. Soit, je reprends par exemple dans l'exemple de la mitzvah précédente, c'était très simple, au moment où tu cueilles, tu deviens imposable de la PA. D'accord? Celui, du coup, par exemple, un juif qui a tout moissonné son blé, et qui a pas laissé la PA, puisqu'au moment au moment où il moissonnait, il était imposable, alors sa mitzvah, elle reste, et puis après, il devra laisser la PA, même de ce qu'il a déjà cueilli. Pourquoi? Parce qu'il était imposable au moment où il l'a cueilli. Alors que dans la Mishnah présente, on a vu par exemple, le goy, lui, lorsqu'il cueille, il arrive au bout de son champ, pour le moment, il est goy, il a tout cueilli. Au moment où c'était le moment où il devait être imposable de la mitzvah de la PA, il était dispensé parce qu'il était goy. Si après il devient juif et il a raté, c'est-à-dire il n'était pas juif au moment où on devient imposable de la mitzvah, alors il sera dispensé. D'accord? C'était le principe très simple. Et à présent, on va revoir ce principe avec quelque chose de plus subtil. Je vous dis d'abord, alors le principe, il est très simple. C'est au moment où tu cueilles ton champ, que tu arrives à la fin, que tu as le devoir de laisser la PA. Si au moment de laisser la PA, le champ, il va appartenir au Beth Amikdash, Egdesh, il est dispensé de la PA. D'accord? C'est un bien qu'on a sanctifié. Imaginez, quelqu'un, il a sanctifié son bien, il veut en faire cadeau au Beth Amikdash. De toute sa récolte. Il va faire cadeau de toute sa récolte ou de toute la valeur de sa récolte au Beth Amikdash. Comme ça, quand on va récupérer, il va y avoir un guisbar, un trésorier du Beth Amikdash qui va venir, qui va s'occuper de tout cueillir et de revendre les céréales, mais avec l'argent, il va le donner au Beth Amikdash. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. On peut sanctifier ce qu'on veut. Et puis, donc, du coup, il a sanctifié toute sa récolte. Maintenant, lorsque ça, la Torah t'a dit, Uvkutzrechem, vous les particuliers, mais pas lorsque c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il n'est pas imposé de laisser la PA. Si le trésorier du Beth Amikdash vient et cueille tout le champ, il n'est pas imposé de laisser la PA, parce que ce n'est pas un bien personnel, c'est un bien qui appartient au Beth Amikdash. Du coup, alors regardez comment ça se passe. Le principe est très simple. Au moment où il cueille, ça appartient à qui? Si ça, au moment où il cueille, ça appartient au Beth Amikdash, et qu'après on va racheter la récolte, c'est une récolte qui a été dispensée. Parce qu'au moment où elle devait être imposable, elle était dispensée. Mais si il a sa récolte, il va la sanctifier, puis il va la racheter quand elle est encore attachée au sol. Ou bien il va d'abord tout cueillir, il va sanctifier une fois que c'est cueilli, et après il va racheter. Alors là, il ne va pas se dispenser, parce qu'au moment où c'était imposable, l'instant précis où ça devient imposable, c'est lorsque tu cueilles, c'est le moment où tu deviens imposable. À ce moment-là, soit tu étais imposable, et dans ce cas-là, ton devoir y reste, soit tu étais dispensé, et dans ce cas-là, ton devoir ne va pas, tu ne seras jamais imposé. D'accord? Vous avez compris l'idée? C'est pas compliqué. D'accord? Il y a un moment précis, donc c'est au moment où tu cueilles, que tu dois laisser la PA. Si, avant de cueillir, c'était kadosh et ça a été racheté, ben c'est encore imposable la PA. Si tu as cueilli déjà tout quand ça t'appartenait, après t'as sanctifié, et après tu rachètes, eh ben, puisque lorsque tu as cueilli c'était imposable, lorsque tu rachètes, tu es encore imposable de la PA. Même mieux que ça, entre parenthèses. Celui qui rachètera même, lorsque ça appartient maintenant, ça va appartenir au Beth Amikdash, le Beth Amikdash concrètement dans la récolte qu'il a, il a une part qu'il devra, lorsque quelqu'un y rachètera, d'accord, quelle que soit la personne qui rachètera, il devra racheter et laisser la part de la PA, puisque cette récolte-là, elle a été
elle était imposée de père. D'accord? On fait ça dans les mots. Igdish kama ou pada kama. Kama, c'est lorsque les céréales elles sont plantées pour le moment. Kama, elles sont debout. Donc, il a désessayé lorsque c'est encore en épi planté. Il a sanctifié les épis plantés ou pada kama. Il a racheté lorsque c'était encore des épis plantés. Chayav, il est imposable de la PA. Omarim ou pada omarim. Chayav, omarim, c'est-à-dire igdish omarim ou pada omarim chayav. C'est une fois qu'il a cueilli son champ et qu'il en a fait les gerbes. Il a tout sanctifié, donc igdish omarim, les gerbes, ou pada omarim, il les a rachetés en gerbes. Chayav, il est encore imposable de laisser la PA puisque tu as déjà été imposé de la PA. Ce devoir-là ne va pas disparaître. Par contre, kama, c'est-à-dire igdish kama ou pada omarim, si par contre il a sanctifié lorsque les épis étaient plantés, et il a racheté ou pada omarim, et il les a rachetés lorsque maintenant ils ont déjà été cueillis et mis en gerbe, ça veut dire déjà été cueillis et tout rassemblé, alors dans ce cas-là, Ptura, il sera dispensé de la PA. Pourquoi ? Chez Bishat Rovata Aita Ptura. Parce qu'au moment où il était imposable, où il devait en théorie être imposable, eh bien, cette récolte était dispensée parce qu'elle appartenait au Ekdesh. D'accord ? Principe simple, on le reverra demain sous encore une autre forme, avec à présent le devoir de ramasser, de donner les masrot, on va encore d'autres figures, Mizrachim. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.